Monsieur le Président, hier, le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont refusé de reconnaître que le Canada est en guerre contre l'État islamique. Pourtant, plusieurs de nos alliés n'ont pas peur d'appeler ce conflit par son nom, soit une guerre. En raison de cette idéologie que ce gouvernement a reportée, est-ce en raison de cette idéologie que ce gouvernement a reporté au calendrier grec 3,5 milliards de dollars d'investissement en équipement nécessaire à nos forces armées pour faire la guerre à l'État islamique, Monsieur le Président? Bravo, bravo! Honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, j'ai ici une citation du général Vance, notre chef des forces armées, je l'ai en anglais. We are party to an armed conflict against a non-state actor. That's the legal terminology. We are a lawful party to an armed conflict against a non-state actor. Le soi-disant État islamique veut être reconnu comme un État. Il ne le sera jamais. Il n'est pas un État. Et c'est pourquoi nous avons un conflit armé que nous avons gagné contre ce groupe.